Salut, 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 chers abonnés de la chaîne Royal Official Business. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont je voulais vous montrer vraiment une grosse faille que je vraiment utilise pour gagner vraiment beaucoup d'argent sur Insbet. Voilà, bien avant de commencer cette vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre de quoi parle la vidéo. Et pour les nouveaux abonnés sur la chaîne Royal, sur YouTube comme Telegram, les amis, activez la cloche de notification. Voilà, et commentez, likez vraiment si vous aimez vraiment la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas, juste en description de cette vidéo, il y a le lien de mon groupe Telegram auquel vous pouvez cliquer et vraiment intégrer ce groupe pour bénéficier de mes coupons. Je tiens à vous informer que la gestion du compte est ouverte. Voilà, c'était depuis le 13 mai, j'ai ouvert ça, donc je vais fermer bientôt. Voilà, et aussi, je voulais vous présenter mon groupe Telegram. Voilà, que vraiment je donne vraiment des astuces, des coupons vraiment qui gagnent vraiment beaucoup. Donc vraiment, si tu aimes vraiment ce que je fais, voilà, utilise le code promo INSROYAL et bénéficie de 200% de bonus sur ton premier rechargement sur Insbet. Voilà, utilise le code promo INSROYAL. Donc c'est le groupe qui est là. Nous sommes 2057 membres qui sont sur le groupe. Voilà les amis, donc c'était vraiment ça. Les amis, aujourd'hui je veux vous montrer une faille vraiment qui marche vraiment très bien, et cette faille se trouve vraiment sur OK sur glace. Donc ce que nous allons faire, nous allons partir sur OK sur glace. Nous allons cliquer juste là haut ici, voilà, il y a les trois traits. Voilà, on va cliquer sur coupon, non pas coupon mais plutôt paris sportif. En plus sur paris sportif, une fois qu'on utilise paris sportif, voilà, OK sur glace est là. Voilà, nous allons chercher uniquement que le championnat NHL. Voilà, c'est ça qui est là. Et dit bien le championnat NHL. Voilà, si la faille ne se trouve pas dans le championnat NHL, vous allez patienter jusqu'à ce que vous trouvez vraiment cette faille là sur le championnat NHL. Voilà, donc nous allons cliquer sur NHL. Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant dans le tournoi, ou bien je peux appeler ça dans la ligue NHL. Voilà ce que nous allons rechercher ici. Nous allons rechercher des matchs auxquels il y a une équipe favorite et une équipe qui n'est pas favorite. Voilà les matchs que vous devez éviter sont des matchs auxquels ils ont à peu près les mêmes cotes. Donc prenons l'exemple numéro 1, V1 Rangers de New York, ils ont une cote de 2,2 et l'autre, ils ont une cote de 2,2. Donc prenons cet exemple aussi de Florida Panthers qui a une cote de 2,29 et Lightning de Tampa Bay, ils ont une cote de 2,2. Donc tout simplement, les matchs que vous devez éviter, ce sont les matchs auxquels ils ont les mêmes cotes. Voilà, 2-2. Voilà, maintenant les matchs que vous devez prendre qui sont vraiment très favoris, ce sont ces matchs-là. Voilà, Colorado Avalanche et Blues Saint-Louis. Voilà les matchs auxquels il y a une cote de 1, une cote de 3, une cote de 1, une cote de 4. C'est ces matchs à vous de prendre parce que ce sont des matchs à vraiment qui sont vraiment vraiment sur auxquels vous avez vraiment beaucoup de chances de gagner. Donc une fois que nous trouvons ces matchs là, voilà, puisque vous avez dit de ne pas prendre ces genres de matchs auxquels ils ont les mêmes cotes, non, 2 et 2 non, 3 et 3 non, 1 et 1 non, mais où il y a une cote de 1 et une cote de 4, 3 en tout cas qui varie mais qui n'ont pas les mêmes cotes. Voilà, que ce soit 3, 5, 6, 15, en tout cas ils n'ont pas les mêmes codes. Donc dès qu'on trouve ce genre de match, on clique sur ce match là. Les amis, c'est dans le hockey du glace, c'est vraiment très difficile de trouver des matchs auxquels il y a vraiment je peux appeler ça comment dire, il y a vraiment des matchs nuls. Voilà, voilà, c'est vraiment très difficile de trouver ce genre de match là. Donc pour booster votre chance vraiment de gagner, c'est ce que je vous ai dit, apprenez des match auquel là, une équipe favori, une équipe n'est pas favori, mais regardez plutôt les cotes auxquelles il y a une cote de 1 et 4 ou 3, 1 et 4, 1 et 5, 1 et 6, 1 et 2, en tout cas, ces gens de cotes. Une fois que vous trouvez ces gens de match, à vous prenez double chance. Voilà, on va prendre double chance, on va ajouter dans le coupon du pari. Voilà, et on va sortir tout simplement, on va venir prendre encore Colorado avant chez Bruxelles, puisque les cotes qu'on nous pouvait ici sont les cotes que nous. Nous avons besoin, et ce sont les matchs que nous avons besoin. Puisque dans les débuts, je vous ai dit de prendre des matchs auxquels une équipe favorite, une équipe n'est pas favorite, mais pas deux équipes qui ont les mêmes cotes. Donc, l'exemple, c'est ça qui est en bas. Voilà, donc on prend ça. On cherche encore l'option double chance. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut prendre, il faut combiner au minimum, je dis bien au minimum trois matchs. Il ne faut jamais dépasser les trois matchs. Une fois que vous avez combiné
ces matchs-là. En tout cas, vous pouvez faire une montante avec, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire, quoi, avec, quoi. Voilà. Donc, vous prenez, vous misez votre son que vous devez miser tranquillement, les amis. Vous allez voir que vraiment ça marche vraiment très, très, très bien. C'est quelque chose qui a été testé, avéré, ce qui est vraiment vrai. Voilà. Donc, les amis, si vous aimez vraiment ce que je fais, likez, commentez et aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Partagez cette vidéo massivement à vos proches pour qu'ils puissent vraiment connaître ces chaînes et bénéficier des différentes astuces que nous partageons sur ces chaînes-là. J'espère que vraiment vous allez vraiment aimer cette faille. On sera la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. C'était votre serviteur Royal Officiel Business. Big up à vous, la famille. À la prochaine.